Bienvenue à tous, tout le monde, dans une nouvelle vidéo. Et oui, on commence très fort la vidéo avec un simi. C'était juste pour vous dire que, exceptionnellement, aujourd'hui, je suis désolé, la vidéo arrive à 23h au lieu qu'à. Exceptionnellement, aujourd'hui, ça arrive à 23h, mais bien sûr, on reste sur l'horaire normal de 11h après cette vidéo, mais c'est exceptionnel. Voilà, nous voilons. Non, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas fait un petit truc avec le Tibi. Du coup, j'espère que ça va vous faire plaisir, cette nouvelle petite vidéo. Et du coup, bah, let's go pour la vidéo. Maintenant. C'est parti. Ah, c'est bien. Bienvenue à tous, tout le monde, dans une nouvelle vidéo critique. Alors, je sais ce que vous allez dire. Ça sera 23h30, notre critique. Mais du coup, on va en parler en full spoiler. On va dire non spoiler, full spoiler. Après, on parlera des scènes post-génériques. Et c'est une critique un peu spéciale, vu qu'on va parler de Shazam Fury of the God. C'est vers 23h, 23h30, que c'est des critiques beaucoup plus longues. Voilà. Et juste, il n'y aura pratiquement pas de montage dans cette vidéo. Et d'ailleurs, les gars, on n'est pas sur le canapé là-bas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas envie. Voilà. Mais plutôt, on est là. Bon, allez, on en parle. Déjà, partie de mon spoiler. Alors, que dire? Alors, que dire? Bah, le film n'était pas ouf. En fait, le début, les 10 premières minutes, ça allait. En vrai, ouais, les 10 premières minutes, en vrai, ça allait. Mais après, j'ai commencé un peu à m'ennuyer, tout ça, parce que je trouvais que ça faisait trop de gamin et tout ça. Il y a aussi la fin et les deux scènes post-génériques que j'ai bien aimé. Ouais. Quoi d'autre? Bah, il y a la Shazam Family, en vrai, elle est bien. Et notamment Shazam, qui est vraiment un bon développement. Je rigole, ils sont encore un gamin. Quoi d'autre? Il y a aussi les méchants, ils sont pas ouf. Mais le dragon, il est incroyable. Voilà. Il y a aussi le truc du sorcier. En vrai, un perso extra secondaire. Voilà. Bah, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire côté spoil. Plutôt non spoiler. Maintenant, on passe au côté. Au côté. Spoiler. Du coup, c'est parti. Du coup, bah, alors que dire en côté spoiler? Bah, en vrai, le film, il était bien. Donc, notamment, par exemple, il sauve un pont. Et la musique, par contre, c'était pas ouf. Il y a aussi, genre, le truc avec Steve, la plume, j'ai bien aimé. Et lui, c'était un peu nul. Ouais, c'était un peu nul. Le dragon, il y avait un délire avec l'arbre et la pomme. Et tout ça. Et ouais, en vrai, c'était pas ouf. Le dragon était bien fait. Quoi d'autre? Shazam, une petite attirance envers Wonder Woman. Et d'ailleurs, en parlant de Wonder Woman, en fait, à la fin du film, bah en fait, on a Wonder Woman, mes parents sont pouvoir il est trop excité. En fait, c'est genre, en fait, il est mort. À la fin du film, il est mort en sauvant la ville. Du dragon et de l'arbre. Et en fait, et après Wonder Woman elle vient, puis elle le sauve. Et elle dit, hé, il manque une déesse, bah c'est Wonder Woman. Et donc voilà. Après, bah, il y a la scène post-générique, donc en fait, ça a deux personnes de la CSA. Il y a deux personnes plutôt qui de la série Peacemaker qui viennent demander à Shazam s'il veut rejoindre la CSA. Et aussi, il parle du truc, ça m'a fait mal derrière. C'est ce truc avec la Justice Society. Juste, il dit. On peut vite comprendre parce qu'il y a le mot justice, un mot de différence, tout ça, et ça m'a fait trop rire. Et à la fin, il dit Avengers Society. Et en fait, ça m'a fait rire. Et pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une référence à Marvel. Voilà, quoi d'autre, quoi d'autre? Bah, il y a la deuxième scène post-générique. Bah, du coup, il y a le méchant du premier film. Qui est avec qui est en fait une limace
Et du coup, c'est sûr et certain que ça tient en saison 3, les gars. Moi, c'est sûr et certain. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, du coup, ma note finale sur le film, c'est que c'est un film, on voit qu'il se prend pas la tête. Je pense qu'ils ont mis Wonder Man parce qu'ils savaient personnellement que ça allait bider. Et du coup, ils ont mis Wonder Man. Ils ont aller voir le film. Et en vrai, je lui mettrais, selon moi, je lui mettrais peut-être, suis sympa. Je vais peut-être lui mettre un 7 sur 10. Et les gars, juste comme ça, je le redis, mais allez le voir. C'est pas parce que moi, j'ai pas énormément aimé le film que peut-être vous, vous allez peut-être l'adorer ou peut-être le détester. Allez le voir, faites votre propre avis et tout ça. Et ouais. Ouais. Bah, du coup, bah, si cette nouvelle vidéo t'a plu, like, partage, commente et abonne-toi. Alors demain, nouvelle vidéo à 15h, elle dure 53 minutes 12. C'est Zanax. Et d'ailleurs, allez voir le film Shazam Fury of the God. Il est. Ça va, mais sans plus. C'est Zanax. Et grande fin. Et d'ailleurs, vous avez remarqué qu'au début de la vidéo, il y a eu le Timmy. Voilà. C'est comme ça se passe cela. D'ailleurs, théorie avant, c'est officiellement la fin de théorie avant. Voilà. Je place ça là, comme ça. Voyez Valo, bah du coup, c'est ciao. En vrai, elle a duré pas si longtemps que ça, la critique.